tu es une grosse toi. Ah, d'accord. On a dit à l'extérieur. Come on, come on. Allez, allez. Non, non, very dirty ball. Je vais passer. Mais tu sais qu'il y en a. You are very dirty ball. Mais niquer les oreilles. C'est qui? Tu vas te faire tuer toi. You are very voilà. Beautiful. Ouais mais vieux, t'es beautiful, regarde. Hey, you are very beautiful. Allez, 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 allez. Ta gueule. Allez, allez, allez. Laura, allez. Tu es vraiment belle. Allez, allez, allez. 26, 26, 26. Carmen, you are very beautiful. Come on Blanca! Blanca, you are very beautiful! Allez! Allez! You are very beautiful! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez! Allez, on apprend. You are very beautiful! You are very beautiful. You are very beautiful. Allez, allez, allez. Après, oula, oula, allez. Allez, 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 allez. You are very beautiful. Wow, quoi, je suis. Allez, allez, allez. Non, elle est partie pour l'heure. Elle est partie pour l'heure. Becky, you are very beautiful. Mélanie, la prochaine. Allez, 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 allez. Allez, Mélanie. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Flora, tu es vraiment. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yaman. Yaman. Ok. Avec Loïc Bruni, champion du monde en titre, et bien sûr, un des grands favoris de la foule. Loïc est très différent des conditions de l'an dernier ici. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. L'année dernière, c'était soleil toute la semaine, poussière, et aujourd'hui, il fait beau, heureusement, pour tout le monde, et ça se glissante. On a vu évidemment des capsules vidéo sur l'internet hier soir et tout. C'est un parcours qui va demander beaucoup, beaucoup de concentration aujourd'hui. Et ouais, bah, c'est ça qui est bien aussi, c'est que techniquement ça s'est vraiment défoncé, donc il a fallu adapter le vélo, adapter les lignes, et donc ça va sécher, donc il va falloir aussi adapter sa vitesse, aller vite tout le temps trop s'emportant, et donc ça va être dur de ne pas tomber et de rouler quand même à la limite quoi. Nouvelle formation pour toi, le maillot de champion du monde sur le dos. On est chez vous pour commencer la saison. Y a-t-il la pression? Oui, l'année dernière, j'avais déjà. Je me l'avais moi la pression. Mais c'est sûr qu'avec tout le monde qui vient, qui sont derrière nous, c'est encore mieux. Donc il y a un petit stress supplémentaire pour pas décevoir les gens. Mais c'est que du bonheur, sinon tu vois, on en profite. J'ai vu ton père cet hiver, puisque vous étiez au Québec, toi et lui. Malheureusement, le week-end où j'y étais, tu n'étais pas là, tu étais avec vos amis chez Specialized. Il me parlait de ta grande capacité de concentration lorsque justement la pression est forte. Qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui te permet, toi, de fermer à verrou avec l'écrou et dire, bah, là, j'y vais à fond la caisse? Bah, ça, c'est un peu l'expérience que je commence à avoir, tu vois, d'arriver à se concentrer et à tout laisser de côté pour vraiment faire le meilleur run possible. Presque débrancher le cerveau, tu vois, mais tout en restant lucide. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas du tout, et ça vient de plus en mieux. Et c'est ça qui fait souvent la différence, que tout le monde roule très vite, en repos et tout, et après en course, c'est vraiment mentalement, c'est là où il faut être encore meilleur. Donc c'est important, mais des fois, derrière. Une dernière question, Luc, et je te laisse être reposé. On rajoute trois facteurs, trois variables à la donne aujourd'hui. Steve Pitt est de retour, on a vu, c'est quand même qualifié en 48e. Sam Hill est en forme et G. Atherton, bon, le poignet est maintenant rétabli. Est-ce que ça va jouer beaucoup dans ce qui va arriver ici aujourd'hui au niveau de la compétition?
Ouais, bah c'est vrai que tu vois, dans les trois que t'as dit, il y en a deux qui sont en anglais. Les conditions, elles sont bien pour les anglais. Et il y a surtout Loris. Tout le monde va être énervé pour la saison, donc tout le monde a envie de bien faire. Et bien sûr, Aaron qui, comme l'année dernière, il nous avait bien fait mal. Donc s'il fait le run qu'il a en tête, je pense qu'il va être vraiment dur à battre aussi. Mais perds des chances, Loïc, et on sera derrière toi, toute la foule. Bienvenue, mesdames et messieurs, champions du monde. Ils sont au rendez-vous ici, cet après-midi, chez les Détails, messieurs. C'est joli, Lourdes. Voilà, on est au sommet. Avec l'arrivée du funiculaire. Super vue sur Lourdes. Puis on va monter voir les stars. Alors ça c'est le départ. La rampe de lancement. Allez. Allez, attends. On va chercher un truc là. Présentation de notre équipe de la journée, Trek Factory Racing, mesdames et messieurs. Et un bon début de saison pour eux, a good start to the season for them here. Encore une fois, mesdames et messieurs, veuillez accueillir au podium de la White T-Bob, from White T-Bob, Aaron Gouin!